Je suis Anne Collot, je suis danseuse et chorégraphe. Il s'agit donc d'une réinterprétation qui se veut critique de danses qui ont été créées il y a fort longtemps, puisqu'il s'agit de danses créées au début du XXe siècle par deux chorégraphes des États-Unis qui sont Ruth Saint-Denis et Ted Shawn. On considère que ce sont qu'ils et elles sont parmi les fondateurs de ce qu'on a appelé la danse moderne américaine. Donc le projet, en fait, j'ai entrepris toute une enquête partagée avec les interprètes, les performeurs et les performeuses de ce projet pour comprendre, pour découvrir de manière sensible quels étaient les projets esthétiques, artistiques et puis on pourrait même dire politiques de ces œuvres dansées qui nous viennent d'un autre temps et d'un autre territoire. Moving Alternative, c'est quand même l'idée d'ouvrir presque un espace de débat, une agora dansée, de partager tous ces éléments d'investigation avec le public pour que les personnes dans le public puissent aussi se construire leur propre réflexion à partir d'un certain nombre d'angles différents. C'est ça qui m'intéresse, c'est cette espèce de pluralité des points de vue, justement pour sortir de ces représentations peut-être un petit peu écrasantes, un peu universalisantes que proposent ces deux artistes au début du siècle.